Bon, alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour en fait déballer en gros l'impression donc de Mister Garcin qui provient de la Paris Comics Expo. Bon, c'est une petite vidéo comme ça juste parce que je voulais faire un maximum de vidéos avant mon départ à l'étranger comme je l'avais indiqué récemment. Donc j'ai acheté un cadre, il y a un chat qui veut venir dans le plan, ça m'arrange pas, c'est parti. C'est un cadre en aluminium en fait parce que c'est un format qui est assez compliqué à trouver puisqu'il s'agit en fait du format poster. Donc c'est 61 par 91,5 et en fait ouais j'étais obligé de le commander sur internet et en fait souvent les cadres en bois arrivent tous abîmés et là bah, j'ai eu de la chance, j'ai pris un où il y avait surtout des commentaires positifs et en fait je me retrouvais avec un truc en très bon état, ce qui est très sympa pour un cadre. Bon là on voit le dos hein. Mais il est en bon état et donc ça c'est une bonne chose. Donc sur la face ici on a du plexiglas, enfin du verre acrylique hein, pour le nom officiel. Il y a une protection plastique qu'il va falloir que je l'enlève. Je sais pas trop comment c'est foutu. Bon, en tout cas ouais, le cadre est vraiment en bon état. Ah ouais, je vois qu'il y a un petit pet ici, bon ça se verra pas trop. Moi je l'ai vraiment le plus simple possible, un contour noir, ça m'arrangeait. Bon après c'est les petits défauts, ça a un petit coup de n'importe quoi, de brosse ou de peinture s'il y a un pet. Mais ouais, s'il y a quelques petits chocs. Mais pour un truc qui a été transporté avec même pas un carton, c'était pas mal, il était juste dans du plastique en fait. Mais dans tous les cas, je vous recommande pas d'acheter un cadre en ligne, c'est vraiment risqué. Mais je crois qu'il va falloir que j'enlève, il va falloir en fait dévisser cette partie-là, en fin de compte. C'est étonnant ça quand même qu'il n'y ait pas un moyen plus simple d'accéder, mais je vois mal comment je peux retirer ça sinon. En fait, vu qu'il n'y a pas vraiment de notice. Ouais, je crois qu'il va falloir démonter le truc, mais c'est lourd là, c'est chiant. Bon. Bon bah c'est rayé ici, voilà, enfin je sais pas si on voit bien mais ici il y a une rayure, c'est dommage, je pensais que ce serait sur le plastique. Peut-être moi qui l'ai fait à l'instant sans faire exprès. Mais bon cette matière se raye, hein, il faut le savoir. Hein. Quand ils vous disent c'est incassable, c'est vrai, c'est incassable, mais ça se raye. C'est très souple en fait, c'est beaucoup plus souple que ce que je croyais, mais c'est parce que c'est en fait très fin, quoi. Je vais à présent dévoiler le fameux truc. Un unboxing à l'envers, c'est génial, non? C'est exactement dans le sens dans lequel ils ont emballé dans la vidéo. Ça, c'est cool. Bon, bien évidemment, ça va, on va tout aplanir. Ça va s'aplanir avec le plexi par-dessus, et donc c'est bien de la bonne taille. J'espère que les coins vont pas me l'abîmer par contre. Bon, je vais retirer la feuille blanche, mais je pourrais. Ouais, non, on va laisser comme ça. Alors.
Voilà, c'est vraiment une œuvre magnifique hein, qui nous a fait là. Donc c'est vrai que sur l'original, effectivement, il y avait c'était déjà signé ici. Mais là, c'est la dédicace en live qu'il a fait en plus à l'appareil comics. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de sortes de Joker. Il y a beaucoup de Killing Joke. On retrouve un peu partout, mais il y a aussi les versions plus récentes. Vu que ça date de 2015, on retrouve ici les Batman de Death in the Family. Le deuil de la famille, je dis n'importe quoi. Surtout avec le fait que globalement ça représente bien le Joker, ça c'est vraiment sympa quoi. Voilà. Après je connais pas tout, je connais vraiment pas tout ce qu'on voit. Par exemple ce qu'on a ouais ici là à l'envers on a des dents. Mais j'aime beaucoup le travail qui a été fait au niveau des couleurs en fait. C'est ça que je trouvais que c'était le plus réussi de tous les autres, là où vraiment il a utilisé les versions en nuancé de gris pour faire les dents en fait. On a un Batman ici d'ailleurs. Hein. On a un Batman, enfin on a plusieurs cases où en fait il lui avait mis un coup de poing. Ça va être vraiment vieux, vu le design de Batman et du Joker ici, ça a l'air vraiment vieux. Hein. Et ici on retrouve encore un extrait de Killing Joke ici, hein, avec Gordon qui se fait donc persécuter par les espèces de... Je sais pas, bébé du Joker, on sait pas trop ce que c'est. Enfin voilà, on va regarder une fois que c'est bien encadré, je vais essayer de filmer ça encore une fois du mieux possible. Ça rend vraiment super bien. C'est vrai que c'est au final plus petit que l'original. Hein. L'original, le format était quand même plus grand. Mais du coup, là, ça rend quand même vachement bien dans le salon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, encore une fois, c'est pas très fréquent. C'est juste un petit peu comme quand je faisais avant les déballages de goodies. Hein. C'est histoire de faire quelque chose qui change un peu du jeu vidéo. Mais lui, il est chiant, hein, mais vraiment. Et désolé si je le maltraite, mais vous inquiétez pas, il va bien. Allez, salut. I just wanna be the one who catch you when you fall.